Bien, bonjour à tous, c'est Alex Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Le camion qu'on a, c'est un Volvo FM13 de 750 chevaux. Donc c'est moi qui l'a customisé. Hein. Et notre livraison est une livraison, donc nous sommes à Liège. Et notre livraison, ça va être de... On va devoir ramener... Enfin, notre destination, c'est Bruxelles. Donc on va y aller. Hein. Donc, je ne conduis pas avec... un volant, comme vous pouvez le voir. Je conduis avec une manette. Donc, c'est une manette Konix. De la marque Konix et je vais l'utiliser pour l'instant puisque je n'ai pas le volant. Donc pendant les vidéos comme ça, je vais créer un thème, on va dire. Et là, le thème, ça va être tout ce qui est sur la chaîne. Donc pour l'instant, oui, je parle que de la chaîne parce que voilà, c'est le début, j'ai besoin de tout préparer. Donc déjà, Euro Truck Simulator 2, il y a un mode en multi. Donc je ferai des vidéos sur ce mode en multi. Et je vais peut-être aussi faire un let's play sur ce jeu. Et aussi, dans la dernière vidéo que j'ai fait, je vous ai parlé de Homecity 2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Homecity 2 est un jeu de bus. Donc je vous laisse le choix de si vous voulez que je fasse une vidéo dessus ou pas. Après, ça sera aussi à moi de choisir. Mais je vous laisse quand même un petit choix, vous me dites dans les commentaires. Et aussi, il y a F1 2014, vous avez aussi le choix pour ça, pour me dire si vous voulez que je fasse le jeu ou pas. Et aussi, je voulais vous parler. Donc aussi je voulais vous dire la manette Konix, je vous mettrai le lien de la manette dans la description. Aussi je voulais vous le volant aussi, je vous donnerai le lien dans la description. Aussi je voulais vous parler de ceux qui mettent les j'aime pas, parce que je crois que c'est dans la vidéo les différences. J'ai eu des j'aime pas et j'aimerais savoir pourquoi. Donc si vous mettez des j'aime pas ou des couches rouges comme on peut dire, si vous mettez des j'aime pas, dites dans les commentaires pourquoi vous aimez pas. Parce que si vous le dites dans les commentaires, moi à ma prochaine vidéo je pourrais éviter de faire les fautes que j'ai fait dans la vidéo où on m'a mis des j'aime pas. Donc s'il vous plaît, quand vous mettez des j'aime pas, expliquez pourquoi dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi des personnes ne mettent des j'aime pas. Et donc voilà. On peut voir aussi la déco là sur les vitres. Attention de ne pas quand même faire un accident. Donc voilà, je ferai des petites vidéos sur un retrait comme ça. C'est sympa. Et attendez, on a oublié quelque chose. Nous pouvons mettre la radio. Et oui, nous pouvons rajouter de la radio. Donc nous, on va mettre RTL 2. Donc ça sort. On va baisser un peu le son. Voilà. Et là, nous avons de la radio pour nous divertir aussi pendant la vidéo. Donc c'est les vraies radios, RTL2, RFM, etc. Et du son. Donc voilà. C'est aussi un bon truc sur le jeu parce que je suis vraiment content par rapport à... Je suis vraiment content que les personnes qui ont créé le jeu ont tout mis
On va essayer de tout mettre, le GPS est de bonne taille. Ok, il y a quelques bugs, par exemple, regardez sur l'écran du tableau de bord, il y a écrit 0 km/h alors que je suis presque à 100. Ça, c'est un petit bug des développeurs, hein. Mais c'est rien, ça va pas vraiment gâcher le jeu. Donc franchement, ils ont quand même, par rapport à la qualité du jeu, ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Et dans mes vidéos, je rajouterai des mods, des maps et des skins. C'est juste que là, je voulais laisser ce que j'avais fait, le customisé que j'ai fait. Les couleurs et tout, moi je trouve que ça fait beau. Donc peut-être dans la prochaine vidéo je mettrai un skin ou je changerai de camion. En tout cas, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir un 750 chevaux, hein. C'est vraiment le Volvo FM13 est vraiment un camion très puissant. Donc Après il faut faire attention puisqu'il est très puissant, et à des moments il peut avoir du mal à freiner quand même. Et après on peut faire des accidents à cause de ça. Donc excusez-moi si je regarde pas aussi la caméra parce que je regarde aussi l'écran parce que je vais pas faire un accident. Donc je regarde de temps en temps la caméra et aussi l'écran. Donc aussi, quand je parle, des fois je regarde pas la caméra, donc j'espère que ça vous gêne pas. C'est aussi, dites-moi ce qui vous gêne dans les commentaires, ce qui vous gêne dans mes vidéos, ou ce que vous voulez que je fasse. J'essaie de quand même être un bon youtubeur et de tout bien faire. On est presque arrivé là. Station d'essence. Donc dans le jeu, ça dit qu'il est 14h30, mais en fait, en vrai, dans le jeu, le temps passe rapidement. Regardez, là, il est déjà 31. Mais c'est pas, je sais pas si pour vous, c'est vraiment la vraie heure, mais pas pour moi. Ouais, 34. 35, ouais, c'est pas super vite. Par exemple, ça vous dit que le voyage va durer 1 heure, et bah, ça ne durera pas vraiment 1 heure, ça sera 1 heure dans le jeu. Parce que 1 heure dans le jeu, c'est pas vraiment 1 heure. Il y a un petit bug de la radio. Oui, des fois il y a des petits bugs, mais c'est... Il y a des bugs qui dérangent et il y a des bugs qui dérangent pas. Donc c'est parti, on prend la sortie. Attention, oh là là. Oh là là, le mauvais conducteur que je suis. Et nous sommes arrivés, nous pouvons avancer. On était à 50, nous sommes à 50. Nous sommes arrivés à Bruxelles. Oh là là. On va s'arrêter au milieu de la route. Faire un accident, ok, mais quand même attention. Ok, vous voyez là il y a un bug, elle s'est garée toute seule alors que je voulais la garer, mais voilà, encore un bug. Ça m'arrive souvent ces bugs, c'est un peu énervant quand même. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc on va arrêter cette vidéo sur l'image de mon camion. Voilà.
Donc, quand même un très bon camion. N'hésitez pas à le prendre, le Volvo FM13. Donc, on va se quitter maintenant. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Hop!